Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission qui s'appelle Actu CDI. Elle parlera des nouveautés du CDI. Chaque mois, il y aura une nouvelle émission. Elle sera présentée par moi, Laurine Dubar, en 5e C. Et moi-même, Faustine Devezier, en 5e C aussi. Donc, je laisse la parole à Faustine qui va vous dire le sommaire. Au sommaire, une exposition sur le séisme, les nouveaux livres d'automne et les badges, le concours de badges. Donc, on se retrouve à côté de l'exposition du séisme. Donc, on est devant les maquettes de représentants de séisme. Donc, le thème est À l'origine d'un séisme, une feuille. Les maquettes ont été réalisées par les élèves de 4e en cours d'SVT avec Madame Chemtob. Et maintenant, nous allons parler des nouveaux livres d'automne. Pour ceux qui aiment les BD, il y en aura plusieurs. Donc, vous connaissez déjà le 1 et le 2 est arrivé. Il y aura aussi le 3 et le 4, mais nous ne trouvons que le 2. Je parle donc de la BD Princesse Sarah. Donc, dans cet épisode, le père de Sarah est malheureusement mort, mais il faut qu'elle se débrouille dans un orphelinat avec des personnes assez cruelles à Londres. Ça y est, elle est arrivée, la nouvelle BD de Seul, le 6e épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de 5 enfants d'une ville où tous les habitants ont mystérieusement disparu. Seuls 5 enfants ont survécu. Que va-t-il se passer ? Ça y est, pour les plus grands lecteurs, le livre Hunger Games est arrivé. Donc c'est un gros livre pour de gros lecteurs. Si vous avez aimé le film, vous allez sûrement aimer le livre. Et pour ceux qui n'aiment pas trop lire, il y a le livre Ratatouille, avec peu de textes et beaucoup d'illustrations. Que l'on peut retrouver dans le film. Oui. Donc maintenant, on va vous faire un petit rappel pour les badges. Donc ce concours était ouvert à tous les élèves. Donc le principe était de dessiner quelque chose en rapport avec la nature, qui serait un badge. Et il fallait voter, donc voilà. En novembre, le badge du gagnant sera réalisé en vrai badge. Donc pour l'avoir, il faudra apporter une cartouche d'imprimante usagée. Et ce badge portera la mention « Label Nature ». Mon préféré, c'est celui-là. Il est trop kawaii. Moi aussi, mais j'aime bien lui aussi, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Il y a une petite tête de hibou et un peu de pingouin. Je sais pas d'où je le sors le pingouin, ne demande pas. De hamster. Hibou, pingouin, hamster. Un pingster. J'espère que quelqu'un sera content que son badge sera vu par tous les élèves qui apporteront une cartouche. Donc, il est bien fait, je trouve. Mais j'aime pas les bestioles, c'est dommage. C'est tout pour cette fois. On se retrouvera le mois prochain. Merci d'avoir regardé. T'as un mot à dire ? Oui, donc n'hésitez pas à continuer à regarder Jean ou l'info. Voilà. C'était Laurine et Faustine. Voilà.